on affectionne particulièrement les matchs où on doit réagir. C'est dommage qu'à chaque fois on doive réagir pour tenir la longueur. Donc on va essayer de continuer sur cette lancée-là, sur cette lancée de ce match de Saraf, qui était tout de même bien en défense. On prend quoi, 23 buts, 24 buts. Ouais, grosse frayeur à la fin quand même. On doit apprendre à mieux gérer à la fin de match. On était à plus 5, je crois, plus 6. Donc ouais, une erreur qu'on doit gommer, et voilà, sur le prochain match. On a mis l'accent sur bien s'entraider. Beaucoup, une équipe qui fait beaucoup de croisés, des joueurs puissants, donc on les a bien embêtés sur ça. Ça a plutôt bien marché, donc voilà. Ouais, cool. La semaine dernière en défense, on s'est un peu trouvé, moi le premier. Et ouais, il fallait qu'on réagisse, et j'ai envie de vous dire, il faut qu'on arrive à reproduire ce genre de match, qui plus à la maison, mais aussi à l'extérieur. Hein, voilà, il faut. Donc on est content d'être invaincu à la maison. Je crois qu'on est invaincu, il me semble. Donc on va continuer comme ça et repartir à l'entraînement. On a un gros match dimanche à Paris. Il va falloir arriver prêt, sinon c'est pas la peine. Je pense que notre force, c'est la rotation. Ça a toujours été le fond du collectif. Donc ouais, s'appuyer sur ça, c'est la meilleure chose qu'on peut faire, je pense. Et voilà, ça a marché ce soir. Ouais, continuer comme ça. On a une base arrière qui a une palette énorme avec des arrières archi complémentaires. Quand il y a Alejandro, Gustavo, Yosu, Nico, Alex sur les deux arrières latéraux, c'est top, et ça s'est vu ce soir, quoi. Ça alterne, donc c'est bien. Ils sont en forme, ils vont bien revenir.